Je dois aux Français la vérité, je n'ai jamais trahi leur confiance. Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je tenais à rassurer des millions de Français. Nicolas Sarkozy, puisqu'il sort un bouquet en ce moment, a bien déclaré, a bien précisé une nouvelle fois, hein, je dis bien une nouvelle fois pour rassurer des millions de gens, que s'il revenait en politique, cela amènerait de la confusion. Ouf, ça rassure un peu. Bon, déjà, son élection, déjà, c'était de la confusion. Donc, Nicolas Sarkozy, c'était quand même le seul président qui savait diviser par zéro. Hein. La seule chose qui pouvait arriver à la cheville de Nicolas Sarkozy, c'était sa chaussette. Vous vous rendez compte qu'avec Nicolas Sarkozy, même les oignons pleuraient. Et il paraît même que quand Nicolas Sarkozy passait devant un miroir, il n'y avait pas son reflet. Parce qu'il n'y a qu'un Nicolas Sarkozy. Ah, puis il est bien, là, maintenant, payé par l'État, peinard, à la retraite. Je trouve qu'il a bonne mine. Hein ? Non, pas bronzé, plutôt bruni. Bon, alors je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais enfin, Macron, tu comprends ?» Mais ne me gâchez pas mon plaisir. Là, on parle de Sarkozy. Oh, les troubles faites. Que je suis blessé au plus profond de moi-même, pas pour moi, je ne suis pas à plaindre, mais pour notre pays, pour la fonction que j'ai exercée.